Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Minute Happy Day Tourisme. Je ne pense pas me tromper en disant que la qualité de la donnée est un enjeu stratégique pour toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de s'intéresser à la façon dont on peut contribuer collectivement à cette qualification de données via les fonctionnalités de demande de mise à jour. Il y a plusieurs possibilités pour faire des demandes de mise à jour, soit via le module consulter, soit via le module gérer. Et on va voir une partie d'entre elles. C'est parti! Je suis utilisateur Happyday, j'ai fait une recherche via le module consulter. J'accède à ma fiche détaillée et je vois qu'il y a le bouton en haut à droite qui me permet de signaler une erreur. Quand je clique sur le bouton signaler une erreur, votre messagerie s'ouvre et l'email du membre propriétaire des données est déjà pré-renseigné. Également le nom de l'objet en question et le lien vers sa fiche détaillée. Il ne vous reste plus qu'à rédiger votre mail. Il est possible également de faire une demande de mise à jour depuis le module Gérer. Et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le crayon en haut à côté à gauche du bouton Signaler. Je clique dessus et j'accède à ma fiche en visualisation dans le module Gérer. Un autre bouton est apparu qui est Demander une mise à jour. Quand je clique, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec plusieurs possibilités. Je peux faire une demande simple, une demande avec brouillon et tout autre type de demande de mise à jour. On peut renseigner aussi les personnes à notifier. Là, je vais faire une demande simple et on verra ensuite la demande avec brouillon. La demande simple, je clique dessus, je coche, je renseigne un titre. J'ai un espace de commentaires dans lequel je peux insérer des liens cliquables en notant bien HTTP ou HTTP comme indiqué dans l'aide. Je peux joindre un fichier et une fois que j'ai terminé de renseigner tous les éléments, je clique sur Valider. Une notification est envoyée au propriétaire de la fiche et il peut également voir les demandes de mise à jour reçues sur son tableau de bord. Maintenant, je veux faire une demande avec brouillon. Je sélectionne « Demande avec brouillon ». J'ai la même possibilité que pour la demande simple, choisir qui je notifie. Je clique sur « Suivant ». Je peux renseigner un titre, même obligatoire. Ça permet d'expliquer de quoi va concerner la demande de mise à jour. Je clique sur « Valider ». Et là, j'accède au brouillon de la fiche comme si j'étais en formulaire de saisie et je veux pouvoir effectuer toutes les modifications. L'avantage de cette demande, c'est que le propriétaire n'aura plus qu'à valider ou annuler la demande. Il n'aura même pas besoin d'intervenir sur la fiche. Vous recevez une notification quand les demandes sont traitées et lui reçoit une notification quand les demandes sont envoyées. C'est fini pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, dans les demandes de mise à jour, il y a vraiment plusieurs possibilités et sur le site d'aide en ligne, c'est vraiment hyper détaillé. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Là, nous avons vu une demande de mise à jour simple pour une seule fiche, mais il est possible de faire des demandes de mise à jour sur plusieurs fiches. J'espère que ce tuto minute vous aura aidé et je vous dis à bientôt.